je crois que je vais pleurer. Le titre de la vidéo, on pleure au restaurant chinois. Il faut montrer un peu l'envers du décor. C'est archi bon. Bah, c'est l'heure du petit-déj. Hello tout le monde! Comme vous l'avez vu au titre, cette semaine j'ai prévu de faire un What to Eat in a Week. J'ai prévu de voir pas mal de gens, de faire des restos, de sortir un peu plus que d'habitude. Mais il faut aussi voir que je vais pas que au resto et que je mange pas mal chez moi. Aujourd'hui par exemple, on a prévu de manger les restes du frigo, y a pas grand chose hein. J'espère que la vidéo va vous plaire. Du coup, il y avait absolument rien à manger à la maison, donc j'ai fait un riz sauté à l'arrache avec du jambon ibérique. Parce qu'il faut montrer un peu l'envers du décor. Donc là, il y a mon riz sauté de la Hesse. Endive avec encore du jambon ibérique. J'ai inventé un truc quoi. Et dans le congélateur, il restait encore des maïping. J'en ai décongelé un, ça nous fait un petit festin. Maintenant, on est à Joayo. On va manger poulet frit. J'ai l'antibactérien. Ah, j'ai trop hâte. C'est archi fin là. Je crois que la spécialité ici, c'est le poulet frit. I just think so. Ça a l'air si bon à la cam. C'est archi bon. Croustille-moi-le. En fait, c'est vraiment archi croustillant à l'extérieur. Mais à la fois, c'est une panure très très fine. C'est pour ça que c'est archi bon. Et le poulet, il est parfaitement cuit au milieu. La sauce, elle est un peu piquante, mais pas trop. Parfaitement salé, c'est quand même un peu comme la crème fraîche. Mais c'est très bon et c'est croustillant quand même. Tout à l'heure, on a encore deux barbecues et elle a déjà mangé 4 morceaux de poulet. Une noix de pâté. On va rouler et le pire, c'est qu'on va prendre un bubble tea après. J'attends que Aveline revienne parce que je crève de faim. Miam miam. Ce ciseau, il est vraiment trop moche. Je veux dire ça, non, c'est moche. Ça sent super bon. Il y en a un des deux, c'est vraiment des morceaux de tarot, et dans l'autre, c'est des morceaux de pudding. Et moi, je changeais pas, comme ça, on n'aura pas le pudding. Ça, c'est les problèmes de lactose intolerance. Moi, ça va. Bye bye. Bye bye. C'est l'anniversaire de ma mère, du coup, on fait un petit festin. Ciao. C'est le fameux poisson que j'ai décongelé. J'ai jamais mangé une raclette comme ça. Eh, hey, c'est en train de brûler le truc. Oh oh. Mais moi j'ai peur. Deux signes qui n'étaient pas du feu là, qui ont trop peur, ouais. Oh my god, ça chauffe trop. J'étais un peu déçue par la galette hier. On va prier pour que la galette d'aujourd'hui soit meilleure. Oh my god, elle est trop belle. C'est vraiment notre pistache forcing. Je fais que manger des galettes à la pistache cette année. Donc la technique pour pas couper sur la fève, ça serait que Maurizio nous ait mis la fève vraiment sur le côté. Comme ça, il y a moins de chances de couper dessus. Non, je vais couper des grosses parts pour être sûr que je coupe pas sur la fève. Ouh, combien de pourcents de chances de couper sur la fève? Franchement. Là, sur sa fève, c'est vraiment une base.
Oh my god, ça a l'air trop bon. J'ai l'impression que sur YouTube, tu t'en fous de montrer des têtes moches, alors que sur Instagram, tu peux pas montrer des têtes moches. Bah, c'est l'heure du petit déj. Je bois du Bjorg, amande intense, c'est mon lait du moment. Mmh. Oh my god. Je sais pas si c'est parce que j'ai mangé une galette pas bonne hier, mais celle-ci, elle est trop bonne. Bon, j'ai pas la faire. À Palais Royal, musée du Louvre, et on va aller prendre un bubble tea. Youpi. J'ai pas activé la stabilisation. Bah tu devrais. On va prendre un bubble tea, on va tester les nouveautés de... Et ce soir, je vais jouer à Sky avec Harry. Les nouveautés de Yifang. On va tester leurs pancakes. On y va 12h parce que... Il y a moins de monde. Et du coup, on va commencer par un bubble tea et ensuite enchaîner sur un restaurant. Très chaotique là. C'est ça la vie qu'on veut mener. Ça prend environ 5-10 minutes à cuire. On attend notre commande là. C'est ça qu'on va commander. La thé au tarot, nouveauté. Et il n'y a personne. Alors qu'on regarde là-bas, il y a devant le restaurant. Et tout à l'heure, on est passé devant Kodawari et il y avait encore plus de monde. Oh my gosh, la queue à Kodawari. Alors que Bubble Tea, il y a ça de faire. Conseil, manger le dessert avant le plat. Le Netflix. Et le 3. 2022. Ah, comme ça. 2022, Aveline fait enfin le Netflix challenge. Bon, c'est un peu raté. Purée, mais je suis maudite. Et maintenant, on va aller manger. Oui, on fait tout à l'envers. Ça se voit qu'il fait chaud derrière. Chez Toy, on est venu pour manger des nouilles et des raviolis. Attends, je vais dire ça. Behind the scene. Et oui, c'est comme ça que font les Instagrammeurs. Les papiers parce que c'est trop moche. Ouh, j'avoue, c'est beaucoup mieux là. C'est beau, hein, sur le bois. Les bols de nouilles, comme c'est plutôt moche, on met derrière. Les trucs les plus jolis, je les mets devant. Moi, j'aime bien prendre la photo comme ça, genre perspective diagonale. Ça, c'est l'assiette la plus jolie, je la mets bien au centre. Poisson, on met ça derrière. Parfait. Ok, je te fais une mini bouchée. It was at this moment that she knew she fucked up. Oh my god. Du coup, on PLS. Je crois que je vais pleurer. C'est pour ça qu'il y avait trois piments sur celle-là, c'est celui-là. What love me. Ça part toujours pas. Par contre, ma voix, elle a changé, je crois. Le titre de la vidéo, on pleure au restaurant chez moi. Ça a bien eu là, ce plat. Oh no. Les dernières nouilles m'ont terrassé. On a bien mangé. Et là, on va ramener à Harry la bouffe. Des bubble tea et les restes. Car oui, on n'a pas tout fini. Quelle surprise. Faut pas gâcher la nourriture, demandez toujours un doggy bag. C'est plus écolo, même si les restaurateurs détestent ça. Pourquoi? Parce que doggy bag, ça leur fait quelques centimes à chaque fois pour les boîtes. Ah. Franchement, faut pas juger sur l'apparence, c'est archi bon. Je suis sur les champs, je vais au resto Thaï, je vais rejoindre bientôt Marie. Il fait archi beau, je suis trop contente. Just a
我的情歌专属你的音符，伤害这么大你能否听见我的叮嘱，你的早晨比我早更看得清楚，摇下车窗 baby 你的眼泪好像珍珠，花太阳雨和你，我对你的思念写进了纸和笔，今夜你在我的梦里出现，黄色包装薯片和你看电影一直到五点 baby 起跑伴着钢琴。Bon bah là avec Marie on va aller au musée. Je suis chargé, mais ni de haine, je suis bon, non, tu es bon. J'en ai pas très bon. Quand j'ai ni de l'air, moi je vois bien qu'on est toujours en train de se faire. Ma joie de l'air, on est ici, t'en sais, on est en train de se faire. Rainbow, you. 彩虹怎么可能会 beauty than you? 我来驾着热气球带你遨游，夕阳照片里的你 super cute. 花太阳 rainbow, you. 星星还是雨点，看我 kiss.那都塞耶，今天的风景那么美，在我的怀里靠着睡，有你的世界不会累，小每天都是 holiday， 抬起头看着那流星，每这辈子我不会让你流泪。如果不是你，不会相信爱情，这是个虚无缥缈的东西，奇妙的梦境。Aujourd'hui je mange seule, donc je me suis fait un plat solo. Comme d'habitude, c'est riz œuf magie. Donc là il y a l'œuf.Le magie, je me suis fait un bol de riz et à côté pour faire un peu de légumes, je me suis dit vas-y, je fais des endives au lardon. Endives sautées au lardon à la chinoise. Quand je mange seule, en général, je me fais juste un bol de riz, un œuf et un plat à côté. Et en vrai, je kiffe.Hey, shut down, no, I'm talking fire. Acid open, no man, hey, 需要我就带着，我永远不会消失。Only, oh, 换个方式 holding 雪月。Hey, I can only fly high.冬天的记忆，小巷里面吹过晚风，是你的秘密。什么手机啊？Tiger， Tiger。然后是 Evelyn， 我不愿意毛线西。期待最美丽的梦，不应该存在别人口中。我还是以前一样无法长大的幼稚，我还是以前一样喜欢城堡和骑士。我的世界我都在讲 blue， 我刚刚那个 blue， 我的 pantalon 也 blue。还是以前一样，心里都是奇妙的文字。我的生活经历写一本故事书。Oh my god, ça a l'air trop bon. Donc là j'ai commandé libanais, les bouchées, la petite salade, et des pickles, et le houmous. Et quand j'ai pas de make-up, j'ai l'impression de rajeunir. Petite anecdote, mais une fois un pédophile m'a abordé au rayon bonbons du supermarché à côté du collège. C'était vraiment archi glauque. Parce que j'avais pas de make-up, le maquillage ça change tout. À cause de mes anciens problèmes de TCA, j'ai toujours un peu peur quand je vois trop de bouffe. Mais ça va aller, je vais me contrôler. En plus, trop triste. Mon frère rentre pas à manger, je mange vraiment toute seule. C'est au fromage. Bon, maintenant que j'ai bien mangé et tout, c'est l'heure de se maquiller. Ok, donc il faut que j'aille acheter des Magna. Oh my sweetie, 这次没有白领吧？不写情歌的我，这次写给你听吧。我那么听话，你像资本主义家。我拒绝了所有暧昧而你想交际花。But what's going on? You keep spitting caps and you just going on and on. You should just tell me that you just here to have some fun. I'll be standing right here where you till you think you're done.